Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Et aujourd'hui au programme, on a pas mal de petites choses à faire. Et comme chaque semaine, je vais monter à cheval. Sauf que aujourd'hui, on va pas faire une balade. Ça va être un tout petit peu de balade, mais on va un peu travailler les chevaux dans un champ afin que, bah voilà, qu'on passe pas toujours que de la balade et que les chevaux soient un minimum travaillés par semaine. Du coup, voilà, aujourd'hui, il est 11h. Là, je vais aller m'occuper des poneys car j'ai reçu quelque chose que je vous ai parlé dans la dernière vidéo et je viens de le recevoir. Et je pense que en fonction de quand je vais rentrer du cheval, on va peut-être partir faire une balade en longue reine à Bilbao. Ça fait très longtemps et je pense que ça lui fera du bien. Voilà, ça fera du bien à tout le monde. On va voir. Là, je vais aller m'en occuper, je vais aller leur donner du foin parce que du coup dans ce petit colis j'ai reçu le filet à foin que je vous avais parlé, donc c'est nickel, on va pouvoir le tester. Et regardez qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour ma petite Laïa. Oh, oui, Laïa que vous ne voyez pas beaucoup ces derniers temps, notamment sur les vidéos, mais vous inquiétez pas, elle va très très bien. Si vous me suivez sur Instagram, je vous avais déjà montré le chien de mon chéri qui s'appelle Nibble. Nibble est un beagle et c'était un ancien chien de chasse, sauf que le souci c'est que vu que notre terrain n'est pas clôturé, eh bien on peut pas le sortir en liberté parce que il part. Il s'enfuit en fait, hein. Il part comme s'il allait chasser. Donc il y a du travail à faire avec ça, mais c'est vrai que du coup on ne peut pas laisser la porte ouverte comme on voudrait. Et le souci c'est que quand je prends Laïa et que je laisse Nibble à l'intérieur, parce que en m'occupant des chevaux je peux pas le prendre en laisse, c'est beaucoup trop compliqué, c'est trop complexe. Donc c'est vrai que des fois je prends que Laïa et Nibble étant très attaché à Laïa maintenant qu'ils sont ensemble depuis plusieurs mois, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On essaye vraiment avec mon chéri de trouver une solution pour que justement on puisse l'emmener dehors et voilà, pouvoir faire quelque chose, parce que si on est obligé de le tenir en laisse, c'est pas pratique, hein, quand on doit bricoler ou autre. Mais voilà, vous inquiétez pas, Laïa va très bien. On les sort tous les jours, hein, pour qu'ils fassent leur balade, pour qu'ils se dépensent. Mais voilà, c'est vrai que c'est plus comme avant avec Laïa où je la prenais n'importe où j'allais, parce que avant il y avait le trajet pour aller au poney. Là maintenant qu'ils sont dans le terrain, il n'y a plus vraiment de trajet, hein. Donc c'est vrai que la vie de Laïa a un tout petit peu changé, mais voilà, ça, elle va quand même bien. On espère trouver rapidement une solution pour Nibble afin qu'il puisse être avec nous dehors et que Laïa puisse se profiter du terrain à volonté en fait, hein, et voilà. Mais bon, elle va très très bien, ne vous inquiétez pas. Du coup, j'ai reçu le filet à foin pour les poneys et je suis également dans l'attente d'un colis aujourd'hui et j'ai très très hâte de le recevoir pour pouvoir vous le montrer. C'est un nouveau partenariat que j'ai pour en tout cas cet hiver et je suis hyper contente. J'ai très très hâte de le recevoir et pouvoir vous en parler. Mais en attendant, voilà, j'ai pris un nouveau filet à foin au poney car tout simplement l'autre que j'avais fabriqué moi-même, il a fait un peu son temps en fait, hein. Et du coup au niveau surtout de la fermeture du dessus, comment je faisais moi, où je devais croiser des cordes, c'était vraiment pas pratique. Laïa, Laïa Fifi, reste près de moi. Oui. C'était vraiment pas pratique, donc j'ai dit bon allez, on va réinvestir dans un filet à foin. Il se présente comme ceci. Je ne pourrais pas vous dire la quantité qu'on peut mettre à l'intérieur, mais ce que j'ai bien aimé c'est que du coup il y a une fermeture avec du scratch qui a l'air quand même bien costaud. Ah, hop là,
et du coup on peut remplir et fermer sans que ça déborde de tous les côtés, soit sans que je m'enquiquine à mettre du fil et à bien serrer. Mais il me semble que j'en ai un deuxième de la même taille chez mes parents, du coup je le récupérerai quand je pourrai. C'est de la marque Kerlb. Du coup je suis très contente, il y aura moins de gaspillage, je pourrai plus facilement l'accrocher en hauteur, un tout petit peu en l'air pour pas qu'il touche, le sol. Mais voilà, on va aller le remplir et on va aller le donner au poney. Bon, au niveau de la consistance, j'arrive pas à me faire une idée de combien il peut y avoir. Et vu comme ça, on dirait que c'est tout petit. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que vu qu'ils y seront à la maison, je pourrais me permettre de leur mettre un filet à foin le matin et le soir leur en remettre pour qu'ils aient continuellement du foin et qu'ils puissent être à volonté. Donc en soi, c'est pas dérangeant s'il est un peu plus petit. Mais à voir, on va aller le positionner, on va voir durant la journée comment ils auront réduit le filet et si combien de temps ça leur fait un filet comme ça à 3. Puis voilà, mais c'est plus pratique à remplir que ce que moi j'avais avant, vu qu'avec le scratch au-dessus, en fait il y a l'air d'avoir une sorte de barre métallique qui fait que c'est un peu plus rigide, donc un peu mieux pour que ce soit stable le temps qu'on remplisse. On va aller poser ça et puis on va les nettoyer parce que j'ai fait plein de bazar en prenant le foin. Bonjour, bonjour mon bébé. Bonjour ma petite Golden. Bonjour ma Fifi. Bah alors. Et non, ça y est, elle est là ma petite gossip. Bonjour ma chérie. Bonjour ma chérie, ça va? Oui. Alors, ce qu'il faut que je vous raconte de gossip, j'en avais parlé sur Instagram, j'avais mis une story, mais début de semaine, Miss Gossip a eu des petites envies folles, voilà, de m'embêter, de me faire peur, car elle s'amusait à partir en fait, à fuguer du paddock. En fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle arrivait à me détendre le fil du bas, à ce niveau-là, en fait. On voit même, regardez, on voit même sa petite touffe de crin là, à force de tirer sur le fil. En fait, elle arrivait à me détendre le fil du bas et elle montait en fait derrière dans le terrain du voisin qui est rempli d'herbes bien grasses. Et voilà, elle allait faire sa vie là-bas. Sauf que moi, quand j'arrive le matin et que je vois qu'il manque un poney, je vais voir et elle te regarde comme ça, comme si de rien n'était, en mode « Oh, tu es là, bonjour, comment ça va ?» Mais elle m'avait fait deux fugues. Elle s'est enfuie deux fois, je ne sais plus quel jour. Je crois que c'était mardi. Et le lendemain, elle s'est enfuie presque cinq fois. Cinq fois que je suis allée la récupérer. On remettait les fils, on vérifiait que le jus passait bien. Et elle n'en avait rien à faire. Elle repoussait de nouveau et elle repartait. Et en fait, je la retrouvais généralement là-bas et même un peu plus loin parfois, même encore ici, ça n'avait pas assez d'herbe pour mademoiselle. Et tu peux attendre deux secondes que je l'installe. Mais voilà, voilà Gossip dans toute sa splendeur. Les deux autres restaient là, mais il n'y avait que elle qui partait, qui allait faire sa vie, allait déguster de l'herbe bien juteuse. Et sauf que hier, elle m'a fait des cacamous, la mademoiselle, parce qu'elle avait plus l'habitude de manger une herbe trop riche. Hein. Donc voilà, hein, mes petits loulous. Mais heureusement qu'il n'y avait que elle qui partait, parce que s'il y avait les trois, ça aurait été une galère pas possible. Et voilà! Il est posé, ouais, bon, il touche un peu le sol. En fait, j'ai récupéré une des cordes que j'avais mis sur mon filet à foin que j'avais fabriqué. Et du coup, je l'ai simplement accroché. Mais je me demande si j'aurais pas dû le monter sur la branche là. Mais j'ai peur que si je monte de trop, ça soit trop surélevé. Là, il a
Ouais, il touche un peu le sol, mais ça a l'air d'aller. Au moins, les poneys peuvent pas l'enlever. Et il y a la place pour que les trois puissent se mettre autour sans qu'il y en ait un qui chasse l'autre. On va aller voir s'il reste de l'eau au poney. Et comme je vous en avais parlé durant ma dernière vidéo sur le fait qu'ils vont quand même partir un peu chez le papa de mon chéri, normalement ils devront partir ce week-end, je sais pas, on est vendredi. Je ne sais pas s'ils partiront ce week-end ou début de la semaine prochaine, mais voilà, le parc est terminé. Il faut qu'on mette le jus, voir si ça fonctionne bien. Et normalement, voilà, sur semaine prochaine, ils devront partir là-haut. On va également construire un tout petit abri, tout petit, pour qu'ils puissent s'abriter parce que il y a quelques jours, on a eu un peu de pluie. Donc, j'ai pas forcément envie voilà, qu'ils soient détrempés. Donc, il faut encore qu'on construise ça. Mais voilà, je pense vraiment que semaine prochaine, ils vont partir un PE chez le papa de mon chéri. Ça leur fera du bien. On va aller leur remettre de l'eau. Ouais, ça va, elle reste fraîche l'eau. Je ne sais pas si mon colis est arrivé. J'aimerais bien qu'il arrive rapidement parce que il devait déjà arriver mercredi. On est vendredi, je ne l'ai toujours pas. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un nouveau partenariat que je suis très heureuse de pouvoir obtenir. Surtout que moi, je suis propriétaire de petits poneys. Donc c'est vrai que dans le monde des réseaux sociaux, de l'influence, c'est vrai que je suis très limitée par rapport aux partenariats que je peux obtenir avec certaines marques. Et là, j'ai une marque qui m'a contactée pour collaborer avec eux pour cet hiver. Et je suis juste hyper heureuse parce que c'est une marque avec qui, en tant que créatrice de contenu, j'ai toujours voulu travailler. Et là, quand ils m'ont envoyé le mail pour faire leur proposition, j'étais surexcitée. Et voilà, en tant que créatrice de contenu, c'est très gratifiant que ce genre de marque vienne demander notre travail afin qu'on puisse promouvoir leurs produits. Et voilà, moi je suis très très contente. Toujours dans l'objectif de se ménager et pas se péter le dos à prendre des bidons, eh bien on prend le tuyau d'arrosage. Voilà. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre que ça se remplisse tranquillement. Et moi, mon petit dos, il est préservé. J'ai reçu mon colis. Une vraie petite enfant qui reçoit comme à Noël son cadeau. Donc le voici, le petit colis que je vais aller ouvrir, mais je dois faire un réel. Du coup je vais aller le faire et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur juste après. Ça y est, je viens de terminer mon réel et voici ce que j'ai reçu et d'autres choses derrière. Du coup, c'est avec la marque Orz que je vais collaborer durant cet hiver. Je suis super contente. Moi-même, je suis amenée à acheter leurs produits. Du coup, quand ils m'ont contactée pour me proposer une collaboration pour cet hiver, j'ai accepté avec grand plaisir. Du coup, j'ai commandé cette petite veste de la marque Orz de leur nouvelle collection que je trouve sublime. J'ai commandé également ce petit sweat Tommy Hilfiger Equestrian. Je le trouve trop beau avec le cheval qui est juste au milieu. J'ai commandé aussi ce pantalon d'équitation effet jean de, je ne sais plus, c'est B Vertigo. Je l'adore. Moi qui fais pas mal de rando et qui vais m'occuper des poneys, ce style de pantalon qui fait clairement simple jean, mais avec le grappe qui est juste nickel, voilà, qui pour pouvoir monter à cheval,
Je trouve ça vraiment super. Côté cheval, parce que cette fois-ci, je me suis fait plaisir. Mais pour quand je monte à cheval, la prochaine fois, on verra pour les loulous. Mais je suis partie sur ce licol de la nouvelle collection aussi, que je trouve très joli. Le doré avec ce... Je sais pas, on dirait un cuivré. Je le trouve vraiment magnifique, que j'ai pris en taille... il me semble, ouais, taille F. J'ai pris avec celui-ci la longe qui est assortie, que je trouve aussi très jolie. Et pour terminer, et je le trouve magnifique, ce superbe tapis de la marque Orz. Oui, le licol et la longe également de la marque Orz, et j'ai pris le tapis qui va avec. Je le trouve magnifique. Et voilà, voilà tout ce que j'ai commandé et je suis super contente. Je suis commence à être habillée pour cet hiver. Bon là, il fait un peu chaud. Je vais aller enlever le sweat. Je vais quand même le prendre avec au cas où si ça se rafraîchit. Mais là, actuellement, j'ai bien chaud. Et vu qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, on sera samedi et c'est les Influenceurs Day. Et du coup, bah, vu que je suis en collaboration avec eux, vous pouvez bénéficier de moins 20% sur votre commande avec un minimum de 90 euros d'achat avec le code EQUIVIN. Donc faites-vous plaisir, ça va très vite. Hein, quand on voit que les prix des affaires d'équitation sont assez chers, et bien si on peut bénéficier d'une réduction, bah, c'est avec grand plaisir. Et sinon, bah, pour moi, mon chéri... m'accompagne et on va aller monter à cheval et je vous emmène avec moi. C'est parti! Bon, on se retrouve assez tard, il est déjà 19h passé. Quand on a terminé de monter à cheval, bah, on est allé prendre le goûter chez l'ami de mon copain. Du coup, bah, voilà, on n'a pas vu l'heure passer et du coup, bah, il est un peu tard pour faire quelque chose avec les poneys. Notamment Bilbao, comme je vous avais dit, je voulais qu'on aille faire des longues graines. C'est pas grave, ce sera peut-être pour demain ou après-demain, on verra. Mais là, on va aller voir du coup le filet à foin. Comment ils l'ont mangé, à quelle vitesse, si ça suffit pour la journée ou est-ce que je vais devoir leur en remettre du coup le soir. On va aller voir ça tout de suite. Bon alors, ça a bien mangé ici, dis donc. Ah bah ça a été hein, la journée. Bonsoir mon bibi. Bonsoir Golden. Bonsoir Gossip. Ouais, du coup, comme je pensais, un seul filet ne suffit pas à les nourrir toute la journée. Quoique je l'ai mis à 11h, il est 19h, il en reste quand même un peu. Mais si je veux qu'ils en aient pendant la nuit, bah, je vais devoir en mettre un deuxième. Mais du coup, comme je vous avais dit, quand j'irai chercher celui que j'ai chez mes parents, les deux devraient suffire. À voir, bon là je vais aller leur en remettre pour la nuit. Mais du coup, je pense que je vais arrêter cette vidéo
ici, en espérant qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait très plaisir cette journée d'être remontée à cheval. Alors je sais très bien, je pense que je ne monte pas parfaitement à cheval. Ça fait déjà un an que je n'avais plus pris en soi de cours. C'était pas un cours, mais c'était vraiment une monte un peu plus travaillée et non pas juste de la simple balade. Et j'ai encore du mal à avoir les jambes fixes. Ça viendra avec le temps, on va refaire des exercices, mais Chloé souhaite qu'au moins une fois par semaine, on fasse un peu plus du travail approfondi avec les chevaux. Mais moi, ça m'a fait du bien, on a bien profité, c'était cool, la jument a été top. Donc voilà, moi ça m'a fait du bien et c'est le plus important. Du coup, voilà, moi je vais arrêter cette vidéo ici, en espérant qu'elle vous aura plu. Je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Salut !